Salut, c'est Siro et bienvenue sur Music Your Life. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'espère que tu as passé un très bon été et aussi une très bonne rentrée si toutefois tu étais en vacances, ou j'espère que ça va bien si tu n'as rien arrêté et que, en fait, pour toi, ça continue normal. Alors, moi, j'ai pas fait trop de vidéos dernièrement, voire en fait quasi pas du tout, mais ça veut pas dire que j'ai rien fait, je vais t'expliquer. En fait, déjà, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris des vraies vacances et je me suis un peu détaché de tout ce qui était réseaux sociaux et franchement, ça fait vraiment du bien. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment un peu dégueulasse. Et même si j'essaie de les utiliser vraiment simplement comme des outils, ce qu'on y voit dès qu'on les allume, c'est un peu pénible. Donc voilà, j'ai un peu pris mes distances par rapport à ça. C'est bizarre de dire ça quand on a un blog, mais j'y ai pris un peu goût. Mais aussi, ce qui m'a fait recadrer avec le réel, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo dernièrement, c'est que j'ai joué beaucoup, beaucoup de musique live avec différentes personnes. Donc ça m'a pris un peu de temps, que ce soit pour relever le répertoire, me rendre au concert, etc. Donc voilà, ça faisait pas mal de choses. Et puis surtout, ça permettait de, comme je te disais, de recadrer avec le réel la musique. C'est bien de faire des choses sur Internet, mais c'est bien aussi de la vivre, voilà, de faire des choses en vrai, d'avoir un vrai ressenti, de faire de la scène. Et donc j'ai fait pas mal de choses comme ça et j'ai pas filmé. Voilà, j'ai un peu vécu la vraie vie à l'ancienne, on va dire. Et c'est pour ça que je proposais pas grand-chose sur le blog. Alors si tu connais pas mon travail, moi je suis Siro Torres. Mon blog c'est Music Your Life. Je viens du rock, de la guitare électrique, mais j'ai fait beaucoup de jazz, de métal. J'ai bouffé plein de plans de Frank Zappa par exemple. Et je fais aussi du flamenco. Tu peux retrouver tout mon travail ici sur YouTube. Je relaie aussi les choses sur Facebook et sur Insta. Et j'ai un site qui s'affiche ici, musicyourlife.net. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi des formations ou bien mon premier livre, Le Petit Précis de guitare à déguster. Enfin, je t'invite quand même à aller fouiller un petit peu sur le blog. Tu trouveras certainement un petit truc qui t'aidera en fait hein, à avancer avec ta guitare. Alors, mais ceci dit, et c'est aussi ça que je voulais t'annoncer dans cette vidéo, même si je propose pas beaucoup de vidéos en ce moment sur le blog, je suis néanmoins en train de préparer un nouveau petit quelque chose pour toi. Je t'en dirai plus dans quelques semaines. Voilà, je suis en train de préparer un nouveau programme et qui s'adressera aux débutants et qui permettra en fait de mettre à plat tout un tas de trucs. C'est vraiment le truc que j'aurais aimé avoir quand je débutais. Voilà, pour éviter de s'éparpiller, ça va répondre à plein d'interrogations pour les débutants ou grands débutants à la guitare. Et ce, peu importe le type de guitare. Alors, si tu veux être prévenu avant tout le monde de nouveaux articles, de nouvelles vidéos, de nouveaux produits, tu peux faire partie de mes contacts privés. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Alors ça y est, Music Your Life, c'est la rentrée. Donc ce que je vais faire, le temps que je prépare ce nouveau truc-là, enfin je veux pas trop en parler pour le moment, mais du coup, on va retrouver les vidéos quotidiennes ou quasi quotidiennes. Ce sera peut-être plutôt sous forme de shorts ou de réels sur Insta ou Facebook, les shorts sur YouTube et les réels sur Insta ou Facebook. Voilà, ce qui me permet de proposer de petits contenus qui seront complètement raccord avec le nouveau gros produit à sortir. Donc Music Your Life saison 2022-2023, ça continue et je te dis à très très vite ici même. Ciao!